Nous voici sur le circuit de Barcelone-Catalogne pour le début de la séance de qualification. Ça devrait bientôt s'agiter du côté de la piste. On a beaucoup parlé de l'usure des pneus ces dernières saisons. Certains disent que c'est un frein à la course, alors que d'autres estiment que ça fait partie du sport. Pensez-vous que les pilotes vont ménager leurs pneus ici, ou plutôt se jeter dans la course et s'en soucier lorsque le problème se posera? L'usure des pneus fera toute la différence ici, car ils ont tendance à s'abîmer très vite lorsque les pilotes visent un bon chrono. Mais si votre monoplace est bien équilibrée, comme le sont celles de l'écurie Mercedes ou encore Red Bull, vous aurez de bonnes chances. Bonjour, je vous parle d'un endroit que vous connaissez bien. C'est jour de course aujourd'hui en Espagne. Et alors que tout reste à jouer dans le championnat, il n'y a pas de place à l'erreur dans un Grand Prix aussi difficile. Les 140 000 spectateurs attendent de voir les bolides s'élancer sur les 730 mètres de ligne droite avant le virage 1 de ce circuit de 4,6 km. Les dépassements sont difficiles dans les 16 virages, mais le frisson de la vitesse sera au rendez-vous avec entre autres le virage 3, rapide, et le terrible virage 9, à l'aveugle. C'est une course difficile qui attend nos pilotes aujourd'hui. Alors dites-moi, Nicolas Martin, que peut-il se passer jusqu'à l'entrée du premier virage? Eh bien, pour commencer, espérons que les pilotes se comporteront correctement et qu'on aura droit à un départ sans incident. Le top départ va être le plus intéressant. Le côté propre de la grille offrira une meilleure adhérence, alors il faut surveiller les voitures qui pourraient s'en échapper. L'objectif du jour est une arrivée dans le top 5. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Rosberg, Ricciardo, Kimi Raikkonen et Alonso, Button, Bottas, Hülkenberg et Sergio Pérez, une Haas, Verstappen, Romain Grosjean et Sainz, Massa, Kvyat, Felipe Nasser et Pascal Wehrlein, Arianto et Ericsson, Kevin Magnussen et pour finir, Julian Palmer en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente, nous allons donc nous rendre vers la piste. Jusqu'à ce qu'on répare, il ne faut pas que ça empire.
Fonce, fonce. C'est le moment de hausser le rythme, faut faire chauffer les gommes. Belle performance de Red Bull aujourd'hui. C'est une victoire éclatante. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste.
Les pilotes font leur apparition. Je suis heureux de voir Red Bull sur le haut du podium, car ils ont énormément apporté à la Formule 1. Voici un nouveau trophée qui part pour Milton Keynes. Analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes. Le leader est descendu au classement à la suite d'un mauvais résultat. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui? Pour moi, c'est clairement Romain Grosjean. Il a roulé dans une catégorie à part aujourd'hui. Sa conduite a été exemplaire. Jetons à présent un œil au classement constructeur. Haas consolide sa position de leader. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. C'est tout pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt.